Jeu d'acteur en français. Je joue une bagarre entre filles. Hé, toi là-bas, t'as parlé sans moi? T'as parlé sans moi, c'est ça? Espèce de connasse, t'as parlé sans moi? Tu fais une claque! Jeu d'acteur en français, je joue le vendeur de vin bourré. Bonjour madame et monsieur, que désirez-vous comme vin? Un vin rouge avec ceci, un vin blanc et avec ceci, ça sera tout à l'heure. Oh, je me suis trompé, désolé. Alors, on refait la commande. Alors, c'était quoi vous voulez? Quoi vous voulez? Attendez, je bois un coup. Alors, que désirez-vous? Jeu d'acteur en français, je joue la serveuse bourrée. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Que désirez-vous? Alors, je note un œuf sur le plat avec ceci. Une achipermentier et des pâtes à la carbonara. Et puis avec ceci comme boisson, trois bières et un coca. Je note, ok? Et comme dessert, trois tartes aux pommes. Je note. Tenez, régalez-vous, je reviens. Je date en français, je joue le journaliste. Bonjour madame, bonjour monsieur. Au programme de notre émission aujourd'hui, nous allons vous parlez des grèves anti-pass sanitaire et anti-vaccin. Et la grève pour les chasseurs. Alors, nous allons aller voir sur les lieux si la tension est haute ou pas. Nous allons voir. Alors, bonjour monsieur. Alors, veuillez nous décrire qu'est-ce qui se passe actuellement dans ces grèves. Tenez, monsieur. Jeu d'acteur en français, je joue le poissonnerie bourré. Bonjour monsieur, que désirez-vous? 3 kilos de crevettes avec ceci, monsieur, que voulez-vous? Des moules, combien? 1 kilo et 3 crabes. Ok, alors, tenez. Quoi? C'est ça que vous m'avez demandé, hein? Oh, je suis pas bourré, arrêtez, hein? Je suis pas bourré, arrêtez de dire que je suis bourré. Je tiens plus sur mes jambes, mais je suis pas bourré, arrêtez. Oh, je me suis trompé de commande. Bah, tenez, votre nouvelle commande, c'est ça? Oui? Non, toujours pas? Vous voulez partir? Bah, sortez alors. Jeu d'acteur en français, je joue l'infirmière qui drague. Bonjour monsieur, c'est moi votre infirmière. Vous êtes très très beau, je vous trouve très très beau, très très charmant. Vous avez quel âge? 25 ans? Moi j'en ai 22. Vous êtes marié? Ah ok, ah, dommage. Mais bon, après je peux être votre amant, hein. Ça me dérange pas moi. Hein. Vous voyez. Ah vous voulez pas? Vous voulez que j'arrête de vous draguer? Non, je crois pas, non. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Je continue à vous draguer. Jeu d'acteur en français, je joue la serveuse dans une boîte de nuit. Bonjour monsieur! Que voulez-vous? J'entends pas. De quoi? Je vous entends pas, monsieur. 3 coca et puis 3 jus de fruits. 25 euros, s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Bonjour madame, que voulez-vous? 3 bouteilles de champagne avec ceci. Ça sera tout? 100 euros, s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Jeu d'acteur en français, je joue l'employé à la poste. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Une pochette de suivi, grande ou petite? Petite. Attendez 2 minutes, parce que là, faut que je finisse mon café. Comme je suis en pause, je finis mon café et après, je vous donnerai votre pochette, hein. Voilà, j'ai bu mon café. Tenez, monsieur, votre pochette. 3,50 € s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Bonjour, madame. Que voulez-vous? Vous venez chercher votre colis. Ok.
Tenez votre colis, signez la feuille. Tenez, merci, au revoir. Jeu d'acteur en français, je joue le kiné. Bonjour monsieur, vous venez pour quoi? Pour votre dos. Ok, nous allons commencer. Installez-vous confortablement. Je vais commencer. Ça va, je vous fais pas trop mal? Non, ça va? Sinon, je peux appuyer plus fort. Vous avez des courbatures? Ok, j'appuie plus fort. Là, c'est bon ou encore plus? Je vous fais mal? Tenez, si je vous fais mal. Tiens, coup de poing. Là, je te fais mal ou pas? J'ai daté en français, je joue le vendeur de Chipoleta. Bonjour! Approchez, approchez! 4 euros les Chipoleta! Moins 50% sur la deuxième barquette! Profitez de la promotion! C'est une fois dans l'année! 4 euros la barquette! 50% sur la deuxième achetée! Venez, venez, approchez! Je t'attends en français, je joue le vendeur de saucissons secs. 5 euros le saucisson! Un acheteur gratuit! N'oubliez pas la promo! 5 euros, un acheteur gratuit! Du bon saucisson sec! Pour l'apéritif! Approche, approchez! Jeu d'acteur en français, je joue le vendeur de jambon! Approchez, approchez du bon jambon de Bayeul! Approchez, approchez! 5 euros le jambon de Bayeul! Un acheteur gratuit! Approchez! N'hésitez pas à goûter! La dégustation est gratuite! N'hésitez pas à goûter le nouveau jambon de Bayeul! Approchez, approchez! Jeu d'acteur en français, je joue le vendeur de crêpes. Bonjour madame, que désirez-vous? Une crêpe au sucre avec ceci. Une crêpe au Nutella. 8,50 € s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Bonjour monsieur, que désirez-vous? 4 crêpes au sucre, ok, avec ceci. Avec une canette de coca, ok. 12,50 € s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Je date en français, je joue le vendeur de pinarchi. Et tu bello, qu'est-ce que tu veux comme pinard? Alors, tu veux un petit blanc ou un petit rouge? Un petit blanc, tiens Mathieu, goûte me chat, il est bon le petit blanc. Non, il est pas bon. Ah si, il est bon le petit blanc Mathieu. Tu veux goûter un rouge Mathieu? Tiens, goûte un rouge Mathieu. Je date en français, je joue le tatoueur bourré. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Alors, une tête de lion sur votre torse. Ok, installez-vous, je vais préparer le matériel. Attendez, je prépare le matériel. Alors, vous avez choisi ça, hein, comme forme, oui. Ok, nous allons commencer. Oups, quoi, je me suis trompé, qu'est-ce que vous dites? C'est de voir. Oh oui, c'est pas la même forme. Oh, je suis désolé. J'ai pas bourré. Commencez pas à dire tu bourré. Jeu d'acteur en français, je joue le vendeur de chocolat. Approchez, approchez, dégustation de chocolat noir ou blanc avec des bouts de noisette. Approchez, approchez. Tenez, madame, un bout de chocolat blanc? Non? Ah, vous êtes au régime. Ah bah, désolé alors. Jeu d'acteur en français, je joue la femme trompée. Alors, tu m'as trompée. Tu m'as trompée avec ma meilleure amie. C'est quoi? Dégage, prends tes affaires, dégage. Tu m'as trompée avec ce putain. Dégage. Tu m'as trompée. T'es sérieux là? Me trompe avec ma meilleure amie. Et toi? Dégage aussi, je peux te parler, t'es plus ma meilleure amie. Jeu d'acteur en français, je joue la pizzeria bourrée. Bonjour madame, que désirez-vous? Une pizza 4 fromages avec ceci, une margarita. Alors, 20,50 € s'il vous plaît. Tenez, quoi c'est ce que vous m'avez commandé? Attendez, je regarde. Oh, je me suis trompé, je vous ai donné une fruit de mer. Et une... Oh, je me suis trop attendu, on va recommencer. Là,
Comment? Attendez, je bois un coup. Jeu d'acteur en français, je joue la maman qui apprend que son enfant se fait harceler à l'école. Bah alors Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 jours que t'as pas mangé. Tu rentres de l'école, tu pleures. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 jours que t'as pas mangé. Et tes affaires, ils disparaissent. Ta casquette que je t'ai achetée, elle est où? Quoi, tu sais pas? On va aller voir le directeur. J'espère que...